On revient à Lyon, la ville et la métropole expérimentent un nouveau parc de sanitaires. 16 nouveaux équipements ont été installés sur les quais du Rhône au niveau du parc Blandan, de la place Louis Pradel, mais aussi de la gare Saint-Paul. 7 urinoirs masculins, autant pour les femmes, et 2 toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'expérimentation va durer jusqu'à fin septembre. Lucie Young vous a demandé aujourd'hui votre avis sur ces nouveaux urinoirs. Écoutez, c'est plutôt pas mal, au moins ça a l'air intéressant. Faut voir à l'utilisation par contre, parce que l'urinoir, je sais pas trop comment on l'utilise. Moi vraiment, j'utiliserai pas trop parce que je suis trop clean et tout, mais je trouve ça génial quand même qu'ils aient fait ça, ouais. Parce que en fait, il y en a grandement besoin. Ça manquait vraiment, il y avait des trucs, des toilettes publiques au-dessus, mais bon, ça avait l'air un peu plus crade que là. Après, c'est vrai que ouais, l'urinoir, comme ça, à la vue et su de tous, c'est un peu particulier, quoi. C'est important, au contraire, c'est même mieux de démocratiser des endroits pour que les femmes puissent aller aux toilettes partout et pas le problème habituel que les hommes n'ont pas, de ne pas savoir quoi faire dans ces cas-là.